90.8 et 90.8. Vous écoutez RHT Guadeloupe, c'est reparti. Email radio appel Moclotine sous RHT. Moclotine sous RHT. Nous avons notre rendez-vous à Thierry Medrazier avec M. Yanné Manclotide les après-midi à 6 RHT Guadeloupe, côté 3-1-K, découvert, apprendre et surtout guérison. Rendez-vous là, sans les RHT Guadeloupe, les après-midi, côté 3-1-K. Oubliez ça. C'est un pays en moins, c'est en tête qui bénit mes frères. Email radio appel Moclotine sous RHT. Moclotide sous RHT. RHT, RHT, RHT. Rimed Razier tous les jours, hein, juste après la pub, hein, 15h15, avec Manclotide. Manclotide, bien bonsoir. Bonsoir, monsieur Yann. Bonsoir, la Guadeloupe. Bonsoir, tous les auditeurs, auditeurs de la CIE. Bonsoir, mes amours internautes. Manclotide, c'est une bonne matinée. Une très bonne matinée, Yann, en attendant de parler. Vous les hommes, la cannelle. Ah, elle est joyeuse aujourd'hui, hein, mon petit. Ah, mais je veux parler des hommes, et tu sais que j'aime les hommes. Ah, oui. Alors, la cannelle fait partie de la famille des Loracées. Alors, nos scientifiques, Sinanum zelanicum. Alors, notre fameux cannelle, tu connais la cannelle, Yann, j'avais déjà parlé. De la cannelle. Ben oui, qu'on met dans les gâteaux, on met des tout partout. Alors, elle a ses propriétés médicinales. Médicinales, à deux utilisations, nous avons dit. Tout d'abord, comme un condiment qu'on se sert dans l'écorce, c'est de la cannelle qu'on nous retrouve dans les épiceries. Et ensuite, comme produit de pharmacopée. Donc, la cannelle est très connue des Hébreux, donc elle est dans la Bible, hein, Yann. Comme l'aloe. Alors, on ne fait pas des choses anodines avec la cannelle. Elle est dans les proverbes et cantiques de Salomon. Alors, la cannelle exige un climat très chaud. Hein. Il y en a bien un terrain ventilé, bien aéré. Hein. Donc, pour la mode d'utilisation, il y a l'essence de la cannelle, il y a la poudre de la cannelle, et l'écorce de la cannelle, hein, elle est un des remèdes utilisés dans la pharmacopée française et chinoise. D'accord? Le produit se vend au prix d'or. Oui. Alors, voilà. Alors, donc, la cannelle se vend au prix d'or. Donc, vous voyez le prix du tonnage et du kilo pour la cannelle, Yann. Ouais. Donc, pour notre cannelle, hein, alors que la cannelle a des propriétés stimulantes pour le système circulatoire, pour les vomissements, pour combattre les douleurs. Quand tu as beaucoup de douleurs, que tu souffres beaucoup, hein, et aphrodisiaque, et tonique, et pour la grippe aussi, et pour les digestions difficiles. Alors, pour notre asthénie, quand on est très, très fatigué, on prend 25 grammes de cannelle dans un litre de vin doux et 10 feuilles de menthe fraîche. On filtre et on boit un verre deux fois par jour. Alors, un litre de vin doux et 40 grammes de cannelle et des cosses de quinquina. Et on laisse macérer 12 heures et dans un petit verre avant chaque repas. D'accord? D'accord. Quand on est vraiment fatigué, quand les gens disent « Ah, je suis fatigué », alors on n'arrive pas à se reprendre, alors on prend 25 grammes de cannelle avec du vin doux, hein, un petit vin doux. Alors, pour la grippe, une tasse d'eau de bouillante, 5 grammes d'écorce de cannelle, 5 grammes d'eucalyptus et 10 grammes de bois de réglisse. Alors, pour faire le vin chaud, on fait bouillir 3 minutes, 5 grammes de cannelle, 3 clous de girofle, 200 grammes de vin rouge. D'accord? Alors, pour les digestions difficiles, comme on disait, mettez dans une casserole contenant
un litre d'eau, 5 cuillères de soupe de cannelle concassée, c'est-à-dire tu écrases la cannelle, portez à ébullition, couvrez, laissez infuser 10 minutes, filtrez au tamis fin, mettez dans une bouteille, conservez dans un endroit frais et prenez une tasse après tous les repas. Alors, mesdames, messieurs, surtout nos hommes, pour toi, Yann, et pour tous les hommes de la Guadeloupe et tous nos hommes à Mont-Internaut. Alors, pour l'intuissance des hommes, je vous avais parlé le jour des 5 plantes, Yann. Oui, oui. Quand j'avais donné 7 plantes pour les hommes. On va saluer Jacqueline, Jacqueline Lamal qui vient de se connecter sur le Facebook. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, mon amour internaute, madame Jacqueline. Nous te saluons, nous espérons que tu avais copié les 7 plantes pour les hommes. Alors aujourd'hui, on revient sur la cannelle. Alors Yann, tu te souviens que j'ai parlé beaucoup de la cannelle pour les hommes? Oui. Quand j'avais donné mes plantes, les 7 plantes pour mes hommes. Oui. Alors mes hommes, si au cas de demain, on ne sait jamais, vous avez un prince fort chez vous, c'est votre puissance Yann. Pourquoi les femmes vous aiment? Parce que vous êtes puissants. Alors, le jour que vous allez perdre cette impuissance, parce que vous devez le garder jusqu'à quand, Yann? À quel temps un homme qui a perdu l'impuissance, ça y est? Oh, au-dessus de 60, disons 80 ans. On ne peut pas parler de l'âge. Non, non, mon doigt parti. Non, quand moi, il a parti. Non, 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 non. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Hein. Attention, nous, comme moi. Yann, bandou, sans principe, il faut qu'il a fait pipi. Il fait qu'il a fait pipi, on ne va pipi là. Oui. C'est ça l'impuissance là, vous comprenez, c'est fait mon nez à bassin, hein? C'est pour que ça fait, et là quand il pipi, puis toujours. Ah, ok, vine. Oui, oui. Mais oui, qu'à partir de là, c'est l'homme qu'on va partir de là. Oui, 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 absolument. Et impuissance là, même, c'est l'homme qu'on vient fatigué, on vient pas bon, quoi. Ah, il est pas bon, c'est... Alors, faut être puissant. Alors, c'est quand parler pour le monde qui, des fois, yo ka téléphoné les radios, yo ka dit ah ouais, bitan moi j'ai arrêté, surtout là qu'on fait des émissions sérieuses avec des médecins spécialisés, yo ka ba les hommes la parole et beaucoup de hommes qui a dit que yo ka perdre un petit manève yo. Mais yo plutôt ka ba yo remède de médecine, mais yo pas chien ba yon plante. Ça c'est vrai, yo ka ba yo des petits pilules, des petits bitan. Ouais, petit bitan, petit cachet blé, petit cachet rose. Alors moi, en cas ba yo en maman, mais alors copiez bien et enregistrez pour se battre les hommes parce que nous passons comme ça nous là. Alors donc tout mon Clotilde Bazot en lui mettre pour se conserver à vie parce que vous avez beaucoup d'enfants garçons qui vont grandir. Et on a beaucoup d'hommes de 50 ans, 60 ans, jusqu'à quel âge maintenant on a des hommes? 90 ans, Yann. Oui, au moins, oui, au moins. Ah, parce que pas des baguettes, tant que les mêmes sont en bite, là, nous pas tellement nombreux encore. Oui. Au côté, Yann. Surtout avec bon, Covid là. Ah, Covid là, plus les maladies. Ouais. Là, Yann, ils m'ont obité. Alors, Yann, il y a un petit liqueur parfait d'amour que vous prescrit. Alors, quand vous avez les autres là, conservez, écrivez bien, matchez bien en côté pour ce page oublié. Ça, c'est pour les hommes. Les hommes, je vous aime beaucoup. Je vous le donne gracieusement. Les femmes, copiez-vous les hommes. Alors, c'est pour la vie. Dans 2 litres d'eau de vie, hein, Yann? Oui. Mettez 15 grammes de cannelle. 15 grammes de cannelle, 40 grammes de zeste de citron, d'accord? 40 et 30 grammes de muscade, vous voyez la muscade créole, Yann, hein? Vous préparez un sirop avec 2 kilos de sucre de canne dans 1 litre d'eau. Vous versez l'eau de vie aromatisée. Vous secouez bien pour mélanger. Vous laissez refroidir dans la casserole que vous avez mis. Vous laissez refroidir dès que la casserole devient froide. Vous filtrez au tamis fin. Vous mettez dans une bouteille propre avec un bon bouchon. Vous laissez reposer 1 mois. Et vous prenez la dose d'1 verre à liqueur par jour, les hommes.
mes hommes, je vous aime. Je vous ai donné ce cadeau que Madame Clotilde, c'est un docteur qui me l'a donné. Il n'est plus sur cette terre. Alors, comme les gens allaient le voir après tapis, il avait son bureau, son cabinet, tout fait beau. C'est un mornalier comme ma maman. Donc, il est parti. Tu as connu son fils, Yann, qui était très, qui faisait beaucoup d'animation commerciale. Sylvester, oui. Il travaillait dans la grosse radio, qu'on ne va pas dire le nom. Mm-hmm. Alors, c'est son papa qui nous a donné ce médicament pour les hommes, parce que beaucoup d'hommes allaient chez lui. Il s'occupait de la médecine tropicale. Il était à Pointe-à-Pitre. Alors, donc, comme je suis une mornalienne d'origine, alors, il nous a donné ce médicament pour les hommes, pour tout homme qui capait redaillon en créole, il a parlé en créole, basot. Alors, en créole, en carreau, disot en créole. Alors, on a pris 2 litres d'eau d'esprit. Donc, on a pris 15 grammes de cannelle, 40 grammes de zeste de citron, on a pris 30 grammes de muscade, on a préparé un sirop avec 2 kilos à cycle de canne pour 1 litre d'eau. Et on a versé ça dans l'eau d'un villa aromatisé là. Donc, on a secoué bien, 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 on a mélangé bien, on a laissé refroidir en casserole là, et après, on a passé un tamis là, et on a mis dans une bouteille propre, et on a laissé reposer un mois, et on a pris un petit verre à liquide par jour, et ça a mis des stocks bien, on a pu même faire tirer d'appuis à azote bien, on a pu mettre des azote bien, et on a pu mettre tout le bonheur à azote. Vous n'avez pas perdu l'idée parce qu'elles ont toutes qu'à pleurer. Ah ouais, on est 48 ans, vite, on est qu'à tomber. On est 55 ans, on est qu'à tomber, on est 60 ans, alors qu'elles doivent partir vers eux. Donc, ça, ça bien les hommes. Alors, tu es mes autres bien, mon petit base de privée là. Alors, conserver, copier pour tous les petits garçons pour demain. Et depuis ce petit monde, on a une anomalie, elles ont été libérées, occupées des petits mounes. Et quand elles là, c'est pour les hommes, les femmes aussi, qui ont utilisé aussi, parce qu'on savait qu'à chauffer, hein, Yann, hein. Ouais, ça a chauffé en l'eau, hein, la cannelle. Il a fait en l'eau, bitin, il y a un gars qui a fait en l'eau, bitin, je ne peux pas comprendre. Il a fait beaucoup, il a combattu les accidents de conversivité, là, où, et, par exemple, ce monde-là, il a fait beaucoup de convulsions. Hein? Voilà. Mm-hmm. Alors, il a fait en l'eau, bitin, contre la diarrhée, contre la digestion difficile. Alors, madame aussi, mettant qui pincée de cannelle aussi, pour ça aussi. Parce que ça a fait des gaz, bien sûr, j'avais les ennuis, problèmes des ventes, ventes qui a fait mal, maman qui a pris zone en abazote avec cannelle et du vin pour empêcher les ennuis mal ventes. Alors, il est bon pour femme aussi et bon pour nous, mais c'est remède à homme. Cannelle là, très bon pour les hommes. Et les hommes aussi peuvent mettre ici pour porter yo, protection contre le mal, Yann. Ah oui? Mm-hmm. Oui, il a une grande, grande protection contre le mal. Alors, on prend, on va mettre dans un sorte de petit morceau de tissu, et là, on va avoir un côté que, où savent que ça peut passer au bien, alors, on va prendre un petit morceau cannelle, un petit tige à cannelle, et on va mettre dans un petit morceau de poêle, et capoter pour protéger, parce qu'il y a cas où il y a dans Salomon, il y a dans la Bible, dans la Bible, il y a crié, qui n'a homme, hein, Yann, dans les proverbes et cantiques de Salomon. D'accord. Alors, il y a qu'à dire comme ça, il est bon pour protéger. Et on va protéger en l'air, on va protéger des maladies infectieuses, des épidémies, et qu'on va empêcher qu'on perde civilité. Voilà. Alors, moun ki ka kwè, moun ki aime timita, il y a toujours ça, toujours moun en africain, il va créer ça, un petit gris-gris. Ouais, en quelque sorte. En africain, mais viable, j'ai mon gris-gris. Alors, donc, en créole, qui m'a dit, il y a un petit porte. Un petit pot de bonheur, en français. Un petit pot de chance. Oui, ben, en africain, il y a des gris-gris dans les colonies intertropicales de l'Afrique. Alors, donc, on va crier. Alors, on va prendre, on va marier dans une petite toile et on va mettre en poche et qu'à protéger et qu'à avoir beaucoup de protection. Alors, c'est pas mon Clotilde qui dit, c'est Adam Salomon et Marie. Alors, il y a une Bible là, donc, chercher les proverbes et les cantiques de Salomon. Parce que là, quand ils ont invité moi, mes autres, dans autres références, vous en voyez, vous en savez qu'ils ont protégé les hommes, et dans Somme 23, là, alors ils ont trouvé, alors, non, là, qu'est-ce qu'il y a. Alors, voilà, Yann. On rappelle, Yann, on rappelle que cet après-midi, oui, c'était la cannelle.
La cannelle qui est bon pour les hommes au niveau de l'impuissance, bien Oui. évidemment. Autre question, Manglotide, si on a des pathologies, est-ce qu'on peut faire justement biter à cannelle là, même si on est impuissant? Si On peut cannelle là, faire. pas rien, Ouais. son pied bois naturel, il y a nous pas donné un jour comme ça. Un jour que, voilà, ça, il y a qu'à dire, il s'agit d'un arbuste pouvant atteindre 2 à 3 mètres de haut. Ses feuilles sont persistantes, sont vert pâle, hein. Et qu'à bourgeonner vers le mois de mai et juin, et puis il a une vert foncé. Yann, bonjour ça. Quand elle là, il fait pour nous. Quand elle là, fait pour tout bitin, il dans la pharmacopée française. Il a qu'à faire travailler avec vous, il a fait pâtisserie. Il a fait tout bitin, Yann, hein. Il dans les condiments, il a dans manger, tout partout. Donc son pied bois, pied bois, il va aller pour l'inscription, et médical, mais au contraire, bon, il sentimental, qu'à mettre au bien, qu'à mettre au top, là, on bon petit cannelle, là, quoi, tout ce qu'il y a. Nous, pas vraiment, qu'à dormir après, comme un petit noir. Oui. Donc, petit cannelle, là, tout partout, mettez petit cannelle, mettez essence de cannelle, c'est essence de cannelle derrière les oreilles, à zot, hein, sans petit parfum, hein, ça, cher, hein, autant de gens, du cher. Ouais, très cher. Il faut de l'eau, hein, en kilo, hein, Yann. Lièvre, vanille, des plantes pour les hommes, ni vanille. Ouais, j'en veux, ni qu'à monter. Quand ça, l'homme qu'à monter, un homme de fait, d'un mètre 90, 1m70, sous l'homme, un homme. Quand elle qu'à monter, vanille qu'à monter, vanille, c'est mettre pour l'homme, l'homme qu'a aimé vanille. Alors, on va mettre vanille à manger à tout, on va mettre vanille à danser à tout. Donc, on va mettre cannelle et vanille pour les hommes. On va faire un thé pour un homme, pour mettre un pied, puis il passe son examen, puis il travaille. Alors, on va mettre cannelle et tranquille. Toujours acheter cannelle, c'est pour les hommes. Un petit paquet de cannelle pour les hommes. Pour traiter son homme à tout là, pour ce homme à tout là, belle pour une belle plante. Là, un homme du bout, il y a une belle plante. N'est-ce pas, Yann? Oui, et moi, absolument. J'adore les hommes, j'aime les voir. À Panama, il y a un peu, non, mais moi, j'aime garder yo, moi, j'aime voir yo au travail, moi, j'aime voir yo qu'à parler, moi, j'aime tenir un homme qu'à parler, par exemple, un journaliste, moi, j'aime écouter un journaliste, moi, j'aime écouter un animateur, moi, j'aime écouter un animateur commercial, là, qu'à faire acheter un magasin, là, demander, voilà, c'est très bon ce produit, qui, quoi, moi, j'en vois un homme, Yann. Qui a chatouillé les oreilles, ou pas, j'ai oublié, voilà, quoi, dit, mais j'attends, voilà, ça, et ça, oui, Yann, en tant que, comme ce travail-là, ça, ou quoi, faire, ou quoi, vrai, qu'elle, ou quoi, coûter, au monde, voir, mon, là, qu'à, machin, ou, hein, qu'à, soleil. Alors, donc, les hommes, vivez de la cannelle, vous aurez des belles voix, vous serez bien sur la terre, on est venu pour la terre, pour rester comme les plantes, gay, en plante, Yann, et en plante, la belle. Et bien, c'est comme ça qu'on nomme mieux, qu'on nomme belle, qu'on nomme propre et beau et propre et bien. Alors, mieux à bas autres, qui mettent à autres les hommes, parce que moi, j'aime les hommes, et j'aime bien quand les hommes soient bien dans leur peau, qui sont, au firmament, quoi. Alors, donc, Madame Clotilde a donné la cannelle. Comment? Voilà. Adieu au top. Eh ben, nous, qu'aille au top, eh ben, nous, qu'a dit au bonne soirée. Et... Vous, les hommes, je vous aime. Je vous oublie pas. Bonne soirée. À demain, Yann. À demain, mon petit. Email radio appelle mon Clotilde sur RHT. Mon Clotilde sur RHT. Où est-ce que nous avons notre rendez-vous dans Thierry Medrazier avec M. Yann et mon Clotilde. Les après-midi assis, RHT Guadeloupe, côté 3-1-4, découvert, apprendre et surtout guérison. Rendez-vous là, sans les RHT Guadeloupe, les après-midi, côté 3-1-4. Pas oublier ça. Je dis bien, à moi, c'est en tête qui bénit mes frères. C'était mon Clotilde hein, qu'on va retrouver demain avec une autre plante, hein, bien évidemment. Je vous rappelle, à 16h30, on aura notre ami Joby Baramp, qui sera en direct de Capesterre-Belle-Eau pour nous parler du conflit avec les transports hein, qui ne passent plus au centre-ville de Capesterre-Belle-Eau. Ça, c'est une grosse problématique. Mais avant ça,
On écoutera Micheline Pompilus, qui est présidente d'ailleurs de l'Union des commerçants de Capesterre-Belle-Eau, qui nous donnera d'ailleurs son avis sur ce conflit. Donc tout à l'heure, un rendez-vous avec Joby Barrand, ça sera en direct à 16h30. Quatre journées aujourd'hui, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, pour sensibiliser la communauté éducative au phénomène de harcèlement dans le milieu scolaire. La journée non-harcèlement est organisée comme chaque premier jeudi du mois de novembre, à l'initiative d'ailleurs du gouvernement français cette année. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler quand même la prévention et la lutte contre le harcèlement qui est fondamentale pour permettre d'ailleurs aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de l'école et de la confiance. Il faut savoir quand même que c'est 700 000 de nos élèves, c'est le ministre de l'Éducation nationale de l'époque qui disait qu'il y avait quand même 700 000 de nos élèves qui étaient concernés. Journée mondiale également de sensibilisation au tsunami. Rappelez-vous, le 26 décembre 2004, un tremblement de terre de magnitude 9,3 se produit au large de l'Indonésie, déclenchant d'ailleurs un tsunami dévastateur qui a fait quand même plus de 220 000 morts. Et c'est vrai que le dimanche 26 décembre 2004, 7h58 heure locale, la puissance du séisme le plus important dans le monde, on va dire, depuis 1960, est telle que la terre se soulève, faisant surgir une vague qui dévaste en 30 minutes. Plus tard, la province indonésienne, donc dans le nord de l'île Sumatra. Et ça sera d'ailleurs la région la plus touchée. Alors, pour se rappeler de tout cela, une journée de sensibilisation aujourd'hui. Journée mondiale de la sensibilisation d'ailleurs au tsunami. Journée annuelle également des parents au bureau. Le calendrier des journées mondiales intègre parfois, des fois, on va dire des curieuses journées. Et celle qui nous occupe aujourd'hui a été imaginée par le réseau social professionnel qui est l'idée d'ailleurs et la suivante. Les salariés peuvent faire venir leurs parents au bureau pour leur montrer à quoi ressemble leur travail au quotidien. Bon, c'est un peu ça, l'action. Donc aujourd'hui, journée annuelle des parents au bureau. Et voilà. Allez, dans un instant, premier rendez-vous avec les infos pratiques et communiquées sur RHT Guadeloupe. La musique avec Victor Delvert, le nouveau Tonight, Amiralty, chaque cathédrate. Des après-midi avec Diane sur RHT.